Et bonjour, bonsoir à tous et à toutes les amis, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo assez rapide et assez différente. Vous avez été nombreux sur mes réseaux sociaux dernièrement ou alors sur mes streams à me demander ouais Lolo, quand est-ce que tu fais un quand est-ce que tu fais une vidéo Ama Ask Me Anything, réponse aux questions. Et c'est pas quelque chose que j'aime particulièrement parce que bon, c'est pas quelque chose de vraiment très original ou quoi que ce soit. Et en plus de ça, vu que je suis assez en général transparent sur mes streams et que je dis un petit peu tout de manière générale, bah je me suis dit bah y a plus vraiment de questions. Je sais pas si les gens ont des questions à me poser, etc. Étant donné que bah je dévoile déjà un petit peu tout en stream, mais ça avait l'air de vous intéresser. Du coup je me suis fait, c'est parti, on va faire ça. Vous pouvez du coup me poser toutes vos questions dans les commentaires sur les réseaux sociaux pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, et j'y répondrai dans une vidéo qui sera dédiée à ça en fin de semaine, je l'espère en tout cas. Et dans l'optique de répondre aux questions, je me suis dit je vais pas vous laisser sur ça, on va aussi faire une petite partie d'Akinator. Ça m'a toujours intrigué un petit peu ce jeu. C'est un jeu qui existe depuis très très longtemps. Pour ceux qui ne connaissent pas le principe, c'est un génie du web qui va deviner la personne ou l'objet auquel vous pensez. Donc du coup il va vous poser une série de questions pour essayer de deviner à qui vous pensez. Alors, information sur le joueur. Bon, pensez à un personnage réel, je vais essayer de deviner. Je vais tenter de le deviner. Information joueur, j'imagine que c'est mon âge à moi, ça va être 23 ans du coup. Depuis peu, ton personnage est-il un garçon? Alors, à vérifier, mais normalement oui. Ton personnage a-t-il vécu en France? Alors pour le coup oui, étant donné que j'habite à Paris également et que les gens le savent. Ton personnage a-t-il été découvert sur YouTube? Peut-être que des gens m'ont découvert sur YouTube, mais j'ai commencé le streaming un an et demi avant de commencer sur YouTube. Je suis un petit bébé sur YouTube, j'ai juste de commencer, donc je n'ai clairement pas cette prétention. On va y répondre non, j'imagine. Ton personnage a-t-il plus de 35 ans? Non, j'ai moins de 35 ans. Ton personnage est-il célèbre? Alors on va dire non, hein, clairement pas célèbre. Ton personnage a-t-il le même sang que toi? Alors là, ça va être une question gênante parce que, comment dire, étant donné que c'est moi, j'imagine que oui, mais on va dire non. Ouais, peut-être. Qu'est-ce que ça veut dire le même sang que toi? Ça n'a aucun sens. Je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est la bonne réponse. Je ne sais pas évidemment. Petit big up aussi à tous ceux qui passent leurs examens. En faisant un quiz comme ça m'a rappelé un petit peu les je ne sais pas du bac. Bon courage à tous ceux qui passent les examens, les partiels, etc. Les potes, ça fait plaisir. Et j'espère que vous allez cartonner. Je sais que vous allez cartonner parce que vous êtes les best. Ton personnage fait-il partie de ta famille? J'imagine que la personne qui va me chercher va répondre non, à moins que ce soit ma famille. Sois-tu une relation amoureuse avec ton personnage? Alors moi je souhaite très bien une relation amoureuse avec moi-même. Alors ton personnage est-il une fille? Il fait un sourire assez vicieux là. Assez vicieux ton sourire quand même. T'es fier de toi? T'es fier de toi? Bon, c'est pas grave. On va répondre non parce que il nous a déjà posé tout à l'heure la question si on était un garçon. C'est juste qu'il est un petit peu con, hein, faut lui pardonner l'Alzheimer. Ton personnage a-t-il travaillé pour TF1? Ah! Alors, l'idée c'est que hier, enfin avant-hier, on a fait. On a fait une émission sur TF1, mais on va répondre non quand même, parce que j'imagine que c'est pas vraiment travailler pour TF1, mais avec TF1. Sors-tu avec ton personnage? Non! Ton personnage est-il adulte? Bah on va dire oui quand même, au-delà de 18 ans. As-tu déjà embrassé ton personnage sur la bouche? Bah non. Enfin, non. Ton personnage est-il un adulte? Oui, tu as juste de me poser la question, t'es pour le coup t'es un petit peu con. Ton personnage est-il passé à la télé? Alors je suis passé quelques fois à la télé, notamment sur Game One. Et ouais, sur Game One, je crois. Non, c'est tout, c'est Game One, je me rappelle pas d'autres trucs. Ton personnage a-t-il fait de la télé-réalité? Non, cela dit, je pourrais bien faire de la télé-réalité, notamment Secret Story, parce que j'ai pas mal de secrets et tout. Ouais. Ton personnage a-t-il un rapport avec le milieu du sport? Alors, du coup, du sport électronique, donc on va dire oui. Ton personnage est-il un footballeur? Non, pas du tout. Ton personnage est-il un rugbyman? Non plus, non plus. Alors, on pourrait croire, en voyant, je sais, on pourrait croire en voyant les biceps d'athlète et tout, que j'ai fait du rugby pendant quelques dizaines d'années, mais non. Non, je vais être honnête avec vous, première révélation. Oh, vous êtes choqués, mais première révélation, non. Ton personnage s'est-il distingué dans le sport de ballon ou balle à haut niveau? Alors, pas du tout. Pour le coup, je me suis surtout distingué en mal quand je jouais à un sport avec un ballon. Un ballon. Ton personnage est-il toujours dans son groupe? Oui. Ton personnage porte-t-il un casque? Un casque? Oui, je porte un casque, regardez. Mais c'est sûrement pas au casque auquel il pense. Mais on va le troller, on va le troller. Ton personnage est-il un cycliste? Non, pas du tout. Ton personnage est-il un rapport avec des voitures? Pas du tout, j'ai pas le permis. Ton personnage conduit une moto? Alors, j'ai déjà conduit une moto, j'en conduis une, mais non, non, c'est pas censé être sûr. Et non, je ne suis pas Alexis Pinturo. Dommage, dommage, dommage. Je pense que le milieu du sport, ça, il a pas aimé. Hein. Je pensais qu'il allait demander si c'était sport électronique. Mais il a pas posé la question, il s'en bat les couilles. Donc apparemment,
Non, alors non, c'est pas ça, ce n'est pas Alexis. Voilà, on continue. Ton passionné est-il déjà allé au Canada? Non, je n'ai jamais été au Canada, j'aimerais beaucoup passer un de ces quatre. Il y a la DreamHack en plus, Stockholm, pas Stockholm. Au Québec, non. Montréal, cet été. J'espère avoir la chance d'aller voir les pros là-bas. Ton personnage pratique-t-il un sport d'extérieur? Non, pas du tout. Ton personnage fait-il partie du milieu de jeux vidéo? Oui, ah bah attends. Un rapport avec League of Legends? Non. J'adore League of Legends, mais non, pour le coup. Ton personnage joue-t-il à Counter-Strike? Non. Joue-t-il à Call of Duty? Non. Ton personnage porte-t-il un gant? Alors non. Joue-t-il principalement sur PC? Oui. Ton personnage est-il issu de StarCraft 2? Non. Ton personnage a-t-il un rapport avec des jeux de tir? Non. Ton personnage... Ah, les jeux de cartes. Les jeux de cartes, on y est, on s'en rapproche. Ton personnage est-il en duo avec son meilleur ami? Non. Non, non, non. Ton personnage porte-t-il des lunettes? Alors, oui, pour le coup, on a une lunette station qu'on a là. Mais de manière générale, non. Donc on va répondre non. Puis je pense que la plupart des gens me connaissent sans lunettes. Ton personnage est-il belge? Non. Ton personnage a-t-il déjà eu les cheveux bleus? Non, ce n'est pas Protozoaire. Te confies-tu à ton personnage? Qu'est-ce que ça veut dire ça? Qu'est-ce... Non. Ton personnage fait-il partie de l'équipe Millennium? Non! Ton personnage est-il noir de peau? Non plus! Ah, cela dit. Ton personnage a-t-il moins de 25 ans? Bah oui, du coup, je t'avais dit mon âge au début. Ah non, c'était mon âge à moi, alors, pardon. Ton personnage est-il enveloppé? Bon, on va répondre oui, non. Enveloppé de muscles, enveloppé de graisse, ça dépend de quoi on parle. Or, on ne sait pas. Ton personnage fait-il partie d'un duo? Non, je ne fais pas de duo, je n'aime pas les gens autres que moi-même. Je suis extrêmement égocentrique. Non, pour le coup, quand il dit duo, en fait, si on répond oui, ça va sûrement penser à David Esquilax ou alors des personnes de vraiment duo. Et même si, bah, moi, de temps en temps, je fais des duos, etc., je ne suis pas connu en tant que personne qui soit avec quelqu'un d'autre. Malheureusement, ton personnage porte-t-il des lunettes de vue? Non! Ton personnage joue-t-il dans le sud de la France? Non plus. Ton personnage a-t-il les cheveux noirs? Oui! Ah, ça, c'est bien vu, ça. Ton personnage conduit-il des méchas? Des mechas? Non, c'est quoi des méchas? Oh, il m'a trouvé! Oh, quel est le bâtard qui a mis cette photo nulle? Proposée par Dark Rose. Dark Rose! Je te trouverai. Je pense à Loello, Pro Player, Hearthstone. Il a réussi à me trouver. Les questions n'avaient vraiment aucun sens. J'aurais pas du tout imaginé qu'il tomberait sur moi. Je pense qu'il a juste top decké. Mais bien joué à lui. Ah, je suis content du coup. Il m'a retrouvé, mais. Même si c'est pas vraiment ma photo casque. Ce que j'en ressens. On sent pas trop, hein. Pas trop. Cette photo-là date d'il y a 2 ans pour la Road to BlizzCon. Il y a marqué juste là. C'était le truc de Road to BlizzCon. Et pour le coup, c'était une très ancienne photo. J'étais à la fac ou début fac ou un truc comme ça. Enfin, c'était une très très ancienne photo. En tout cas, bref, j'avais les cheveux très courts à l'époque. En tout cas, bref, oui, bien joué à toi. Génial, encore trouvé. J'adore jouer avec toi. C'est sympa. Ça, c'est sympa. Ouais, pas beaucoup de gens qui aiment jouer avec moi. Partage ton admiration pour l'exploit d'Akinator. Rejouer, blablabla. Ok, cool. Cool. Bon, voilà les potes, c'était un petit truc fun, j'ai toujours voulu essayer ça. YouTube, c'est une petite musique hein, sur YouTube. J'ai toujours voulu essayer ça et voilà, ça fait vraiment plaisir. Si vous avez des questions, en tout cas, pour la vidéo réponse aux questions qui sortira en fin de semaine, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires de cette vidéo, sur les réseaux sociaux, Twitter, par tweet, Facebook, par message privé, par commentaire, etc. Je lis tous les commentaires, vous le savez, tous les soirs, je passe 1 heure, 2 heures, ça dépend du nombre de commentaires qu'il y a, à essayer de lire un petit peu tout. Ça fait vraiment plaisir. En tout cas, je vous fais des bisous. Merci d'être toujours de plus en plus nombreux à vous abonner, à liker les vidéos et à me suivre et à me soutenir. Ça fait vraiment plaisir, les potes. Je vous aime, restez au top et à la prochaine.